Est-ce qu'il y a un âge idéal pour investir dans l'immobilier? Je vais vous donner ma vision dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, vous m'avez sollicité cette semaine, je vous en remercie, sur est-ce qu'il y a un âge idéal pour investir? À quel âge peut-on commencer à investir? Et je voudrais vous donner mes conseils dans cette vidéo. À mon avis, bon nombre d'entre vous ont été confrontés à ça, c'est que quand vous vous dirigez vers la banque et que vous voulez investir, si vous êtes jeune, c'est-à-dire globalement entre 18 et 23, 25 ans, je ne veux pas faire offense à ceux qui ont un petit peu plus, mais globalement on vous dit vous êtes trop jeune, quand vous voulez acheter et que vous avez un certain âge, on vous dit vous êtes trop vieux, et du coup vous vous retrouvez en se disant mais quel est l'âge idéal, un coup je suis trop jeune, un coup je suis trop vieux, à quel âge il faut commencer pour investir? Le premier élément de réponse que je voudrais vous donner en 1, c'est qu'il n'y a pas d'âge idéal comme vous devez le savoir, c'est qu'il faut le sentir déjà. Il faut avoir le feeling et il faut avoir l'envie. Il faut d'une part ni se sentir obligé d'investir si vous avez vu par exemple votre entourage ou vos amis qui investissent, et il ne faut pas en même temps aller contre ce que vous voulez faire. Et en même temps, si vous mourrez d'envie d'investir, bien entendu, il faut le faire, il faut déplacer des montagnes pour le faire et faire aboutir votre ambition et votre rêve et votre souhait de développer votre patrimoine immobilier. Il faut jamais, jamais, jamais vous mettre en risque. Ne vous mettez pas en risque. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est fait pour donner de la liberté, donner du temps, donner de l'argent et réaliser certains de vos rêves. Ce n'est pas fait pour vous mettre en risque, vous donner des problèmes et des contraintes si la banque ou le banquier vous appelle le dimanche matin parce que rien ne va plus financièrement. Donc encore une fois, il faut vraiment le sentir, avoir un début de situation qui permet bien entendu d'investir dans l'immobilier. Sinon, vous allez vous mettre en risque et ce n'est pas bon. Pour moi, il y a deux grandes façons de voir les choses. En un, quand on débute dans la vie, on va vouloir acheter de l'immobilier pour soi, pour développer son patrimoine. Et c'est normal, tout le monde est parti de zéro, je suis parti de zéro. Je dis même souvent, et c'est le cas de bon nombre d'entre vous, je suis parti de moins parce que j'avais 30 000 euros de dette d'un prêt étudiant sur une école de commerce. Donc du coup, on démarre tous à peu près du même niveau, sauf ceux qui ont de la chance de démarrer de plus haut. Et tant mieux pour eux, ça leur permet peut-être d'aller plus vite et d'aller du coup encore plus loin. Du coup, les premiers biens que vous achetez, effectivement, essayez de les acheter le plus tôt possible à partir du moment où votre situation le permet. Pourquoi? Parce que le temps, c'est vraiment de l'argent en immobilier. Chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, vous vous enrichissez au minimum du montant de la dette remboursée. Et cerise sur le gâteau, si vous êtes sur un marché qui en plus est en croissance, et ça a été le cas d'un nombre important de marchés et de villes en France sur ces 2, 3, 5, 10 dernières années, et du coup en plus vous avez une plus-value, ce qu'on appelle latente, c'est-à-dire que si vous revendez le jour où vous revendrez, vous allez encaisser plus d'argent que le montant du bien immobilier à l'époque où vous l'aviez acheté, en sachant qu'en plus vous avez remboursé de la dette à l'intérieur, donc le montant du remboursement de la dette vous a enrichi. C'est le dicton qui dit qu'il paye ses dettes s'enrichit. C'est exactement ça en immobilier. Donc après, le jeu, c'est tout simplement que la dette soit la plus conséquente possible, puisque de toute manière, ce n'est pas vous qui l'a payé, c'est votre locataire par votre intermédiaire qui paye la dette. Et donc, c'est grâce à lui et grâce à vos investissements que vous vous enrichissez. Et puis, il y a le deuxième modèle. À partir du moment où vous avez un socle entre guillemets suffisamment confortable, vous estimez avoir atteint peut-être votre premier objectif, votre premier palier d'un socle immobilier, vous avez avancé dans la vie, vous avez une famille et des enfants, vous allez vouloir commencer à acheter moins pour vous parce que votre situation, elle est stable et tout va bien, et plus dans le but de transmettre. Donc là, à ce moment-là, vos différentes acquisitions, vous pourrez aller plus ou moins vite, ça va vraiment être dans ce but de la transmission. Et ça fait vraiment appel, et je vais vous le donner en quelques mots, à une donne fiscale. C'est souvent dit, est-ce que du coup je dois acheter tout seul ou est-ce que je dois acheter en SCI? Et c'est vraiment ce raisonnement-là que vous devez garder en tête pour vous donner quelques conseils. Tout ce qui concerne votre patrimoine, vous avez tout intérêt à l'acheter en direct, à le déclarer au LMNP au réel. Si c'est du jargon pour vous, vraiment je vous invite à regarder l'intérieur de la chaîne puisqu'il y a plein de vidéos qui vont traiter vraiment précisément de cet aspect-là. Et puis si vous achetez pour développer votre patrimoine, pour transmettre à vos enfants et que c'est un petit peu moins pour vous et plus pour vos enfants, à ce moment-là, on vous invite à acheter vraiment en SCI. Pareil, je vous invite à regarder à l'intérieur de la chaîne YouTube puisqu'il y a une mine d'informations à ce sujet.
Je vous invite à mettre en commentaire, vous, si vous avez une idée de l'âge idéal pour investir, à partir de quel âge vous pouvez commencer. Mettez-moi à quel âge vous avez acheté votre premier bien immobilier. Moi, j'avais 26 ou 27 ans sur le premier bien que j'ai acheté. Et je suis fier tous les jours de voir chez Investissement Locatif qu'on accompagne des gens vraiment, quelquefois, très jeunes, extrêmement jeunes. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis, waouh, ils ont une longueur d'avance, mais phénoménale sur moi. Et vraiment, je vous félicite parce qu'ils ont pris conscience, du coup, largement avant moi, de l'importance de l'immobilier pour se constituer un empire immobilier. Le plus jeune cette année, il avait 18 ans. Vraiment, je lui tire mon chapeau. Bravo, je vous invite à mettre en commentaire peut-être aussi l'âge du coup à partir duquel vous avez acheté le premier bien immobilier. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.